Grâce à Jeunes en librairie, on a rencontré tous les métiers qui sont en rapport avec les livres. J'ai découvert un monde, le monde de l'édition, qui est complètement différent de celui que je pensais. Déjà, il vient des fois à la rencontre de l'auteur, des fois c'est l'auteur qui vient. Après, il y a une phase de lecture, c'est-à-dire qu'il doit s'intéresser à tous les livres qu'on lui envoie. J'ai bien aimé l'autrice. C'était super intéressant, elle nous a expliqué comment elle écrivait ses livres. J'ai pas échangé avec beaucoup d'auteurs ou d'autrices à part celle-là. En fait, on se rend compte qu'ils bougent tout le temps. Trouver de l'imagination, des idées. J'ai bien aimé, par exemple, elle raconter ce qu'elle faisait avant de faire de l'écriture, justement. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Je pense que des fois, c'est un peu redondant, ça doit un peu énerver. Une fois que le premier jet est fait, il faut se relire, savoir si on doit enlever des choses, rajouter. Et je pense que ça doit être ça au quotidien, et à force, je pense qu'il peut devenir fou, quoi. C'est pas non plus un métier facile, parce qu'il faut du temps. Il y a la peur de se lancer, le fait qu'on va pas gagner extrêmement beaucoup sur un livre. Non, il gagne très peu. Et la libraire aussi. C'est aussi ça qui fait que le métier est dur, parce qu'il se donne beaucoup de moyens en fait pour peu de retours niveau financier. Par exemple, le nombre d'auteurs qui arrivent à vivre que de ça, je trouve que c'est dommage qu'il y en ait si peu, parce que c'est quand même un métier qui prend beaucoup de place dans la vie de tout le monde, que ce soit des documentaires, des romans, etc. Avec la libraire, elle nous a expliqué comment c'était rangé. Mais au final, c'est bien plus que ça. Il faut qu'ils aillent des fois à la rencontre des maisons d'édition, que ça leur plaise en fait. Ils prennent pas n'importe quoi juste en fait pour le fait de vendre. Moi, j'ai bien aimé aller à l'imprimerie. Je trouvais ça très intéressant. C'était les machines, elles étaient énormes. Je pensais pas qu'elles étaient aussi grandes en fait. J'ai découvert plein de choses. Comment on faisait pour les mélanges de couleurs. On a eu un relieur. Je pense pas que j'aimerais faire ça, mais ça m'a appris des choses, ouais. Je pense pas. Mais j'aime quand même le métier. Moi, je pense pas que j'arriverais à faire parler mes sentiments sur un livre, je dirais. Illustrateur, là, c'est intéressant, je trouve. Pour le coup, ça pourrait me plaire de travailler dans tout ce qui est journalisme, édition, tout ça. Oui, ça m'aide un petit peu à m'intéresser plus au livre. Même pour une personne, en tout cas, qui lit pas beaucoup, ça donne envie. Ça donne envie d'aimer, ça donne envie de lire. C'était quand même intéressant.